We staan hier buiten voor het NAM-IP, het Museum voor Informatica in Namen, een unicum in België. De reden waarom ik hier naartoe gekomen ben is uiteraard het verplaatsen van de Unisys-collectie van Jacques Lafus naar dit museum, waar dat ze inderdaad ten volle tot zijn recht komt, ook geschiedenis van Sperry en Burroughs, met een mooie IBM-afdeling en een zeer uitgebreide Boole-afdeling. Ook het digitaliseren en bestuderen en indexeren van de Bijbel komt een beetje aan bod. In de toekomst zal er nog een vijfde collectie worden toegevoegd aan dit museum, waardoor dat er nu al 80% van de objecten in reserve zitten en slechts 20% effectief tentoongesteld wordt. De tentoonstelling is uitsluitend in het Frans gedocumenteerd en er is nog geen sprake van audiogidsen, geen binnenopnames van het museum. Spijtig. Ook Jacques Lafus was vandaag niet komen opdagen. Daarom nogmaals het verslag van het laatste bezoek dat mogelijk was in het museum in Evere. Ici nous avons les origines, bon, le boulier compteur des Chinois. Faisons un grand saut dans le temps. On a la machine de Blaise Pascal, ici, la Pascaline. Bien sûr, vous pouvez voir un original de la Pascaline au Centre national des arts et métiers à Paris. Ça marchait avec des engrenages, avec des pieds de report. C'est une machine qui pesait 37,5 kg rien que pour faire des additions, avec un grand clavier. Je me souviens quand j'ai vendu les premières machines comptables, mais qu'est-ce qu'il y a comme touche sur cette machine? Une publicité de l'époque ici, un tiers du travail était effectué sans effleurer une touche, parce qu'il ne faut pas composer les zéros étaient s'imprimaient automatiquement, centimes, décimes, unités, dizaines, donc les milieux ça change chaque fois de couleur, donc 5000 j'enfonce uniquement le 13. Mais pour les multiplications, par répétition, c'était un peu laste, un peu fastidieux. Alors ici, il y a eu des petits moulins, elle n'a pas de soustraction. Mais les bons comptables faisaient la soustraction par la méthode des compléments. Elle dit 9000 et 8000. Je dis report 17000, je veux soustraire 123. Je n'ai pas de touche soustraction. 877 pour aller jusqu'à 1000, 123. Et puis tous les 9 qui précédaient pour une question d'entraînement des lois. Donc ça, c'est le complément. J'additionne le complément et je suis ici. 16877. Comment ça se fait que sur les machines, les calculettes que vous avez en poche, le 1, 2, 3 est en bas? Et pourquoi sur les téléphones à touche ou sur les GSM, c'est le contraire? Tous les grands claviers, eh bien le 1 est en bas. Et si vous regardez les vieux téléphones, je vous en montrerai ici, les disques téléphones, le 1 est en haut. Voilà un coffre en aluminium moulé pour cette machine dite touche. Oui, c'est pas du plastique. Eh bien, c'est Raymond Louis qui a fait le design de cette machine. C'est lui qui a fait le design de la bouteille de Coca-Cola, du Concorde, les voitures américaines Studebaker. 5000 francs, belge. Avec une mémoire, s'il avait deux mémoires et la racine, ça faisait 95000 francs. Et la coccinelle coûtait 59000 francs. Donc une fois et demie le prix d'une voiture. Eh bien, c'est une Frieden, quatre opérations, et un tube cathodique. Un TV. Elle travaillait aussi en Polish notation, en notation polonaise. Ouais. Entre le clavier et la corbeille, c'est encore des tiges en bois. Et regardez bien, ça venait par en dessous. Donc, il fallait attendre 6 interlignes pour voir ce qu'on frappait. C'est une Remington, le modèle 10, qui a d'ailleurs été utilisée par Georges Simenon. C'est la même machine qu'il a eue, c'est pas la sienne. Et là, on avait ruban rouge, majuscule et minuscule, parce que quand il n'y avait pas ce dispositif-là, c'est une machine, il y a une espèce de silencieux, eh bien, cette machine n'a pas eu de succès. Une salle comme ici avec 40-50 dactylos, et le chef de service était comme dans les vieux collèges, quand il n'entendait pas le bruit, il venait dans le dos de la dactylo. Aujourd'hui, on dirait, c'est du harcèlement. Une partie du mécanisme est basée sur la table de Pythagore. C'est pas Pythagore, hein, Pythagore en un mot. Mais cette machine faisait des multiplications. Toutes les machines faisaient par addition répétée les multiplications. Donc plusieurs cycles. Ici, en un seul cycle, la multiplication était faite. C'est-à-dire que cette machine comptable, en plus des travaux comptables, pouvait faire des factures. Ça coûtait 250 000 francs belges au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et on disait, voilà, le marketing, deux mains, une machine produit plus que 82 machines. Pour 4 cas, ça coûtait 800 000 francs belges à l'époque. Et alors après ça, il y a eu les premiers circuits intégrés. Encore une fois, le marketing n'était pas beau.
Hein, vous voyez ici, là vous avez deux caractères après les transistors, c'est une carte. Et alors ici, les premiers circuits intégrés qui valaient 54 transistors, et le marketing n'était pas bon, mais si je prends un avis tout à fait extérieur ici, les presses universitaires de France, histoire de l'informatique, collection que sais-je, page 85, vous voyez, Bureau, ça a été le premier à franchir le pas, 32 processeurs en parallèle, qui faisait 24 gigabytes et à peu près autant de gigahertz, eh bien, c'était 72 ici, 98. Hein. Et maintenant, c'est déjà dépassé CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, par gallium arsenide. Et les électrons allaient 5 à 6 fois plus vite. Ça a coûté les yeux de la tête. Milieu 94, le iCMOS était sur le marché pour. On priora des pâquerettes ou peanuts. Toutes les sociétés ont fait leurs bénéfices sur l'outsourcing, programming, consulting sur les sections.